Dans cette vidéo, je t'explique comment faire ça. Pour faire ça, tu vas avoir besoin de deux plans. Un premier plan où tu mets une petite impulsion au pal et où tu bloques avec ta main. Et un second plan où tu allumes le ventilo et où faut surtout pas que tu foutes tes doigts. Pour que ça marche, tu ne dois pas bouger la caméra ni la lumière. On importe les plans sur After Effects et tu vas mettre le plan où tu es en haut et le plan du ventilo seul en bas. Identifie l'image exacte où tu bloques la pal et scinde le calque du haut en deux. Ça permettra d'avoir la fin de ton mouvement sans correction. Viens créer un masque sur la première partie du calque que tu viens de scinder. Commence par les cheveux et fais un suivi du masque. Puis duplique ce calque, enlève le masque et utilise le rotopinceau pour faire une rotoscopie automatique du reste du corps. Ça va te permettre d'avoir ton corps détouré sur le plan du ventilo en action. Maintenant, fais lecture et laisse la magie opérer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à passer une tête sur mon profil.